Game. De retour sur les games pour un petit tutorat direct. Le mois est en direct avec une semaine de tutorat. Normalement, il y a tout le monde doit être motivé vu qu'on vient de faire une mission. Pas du tout. Mais il y a assez de monde assez motivé pour que je puisse donner cours correctement. What did I want to do? J'ai mal au crâne. Au secours. C'est bon. J'avais mal au crâne, c'est bon. Let's go. Les objectifs, donc on continue à regarder. Donc arc, vol, c'est bon. Lorenz, cavalier magie, ça c'est toujours bon. Il a un talent caché, non? Ah non. Pourquoi je laisse H et pas juste mêler? Je sais plus pourquoi je fais ça. Pourquoi je mets H? Juste mêler, non? Qu'est-ce que je fais? Juste arc pour Ignatz parce que de toute façon il sert à rien. Lorenz, il avait un talent caché ou pas? Non. Talent caché, non. Talent caché, Dawn. Du coup, elle maintenant elle veut être Grémory, ce qui m'arrange. Du coup, je la double le truc. Ouais, je préfère qu'elle soit Grémory. Marianne, talent caché, presque Dawn. Mais t'inquiète, je vais donner cours en lance, ce sera bon. Ah, mais elle a pas de motivation. Du coup, pas besoin qu'elle étudie. Cuirassé, ah, mais c'était quoi son talent caché d'ailleurs, elle? De cuirassé. T'as un saut, non? Va falloir que je regarde les capacités des gens aussi. Hein. Parce qu'ils commencent à en avoir beaucoup. Et même les talents passifs, les aptitudes, toutes ces conneries et choisir les trucs vraiment utiles. Du coup, elle, on en fera une chevalière forteresse, hein, si je comprends bien. Elle va être full tank. Hein. Même si à un moment, Hilda, je voulais que ce soit une guerrière. Désolé, mon casque est mal positionné, ça me gratte. Le son doit être horrible, pardon. Attendez, je me mute. Bref, c'est désagréable un peu pour moi, mais je vais m'y habituer. M'habituer à la désagréabilité. Voilà. Ouais, on va garder cuirassé. Bon, est-ce qu'on garde cuirassé? Ouais, parce qu'il faut quand même que quelqu'un soit bien au cuirassé dans la team. Léonie, cheval lent, c'est à base. Est-ce qu'elle a un talent caché? Non. Donc attends, faut que je me rappelle. Le seul personne qui a un talent caché, c'est elle qui me manque. Et de toute façon, je peux pas lui donner cours. C'est vrai que j'avais mangé avec Marianne. Hein. Juste pour que la semaine prochaine ce soit fait. Et comme ça, j'ai plus besoin à y réfléchir. Elle, c'est canasson, archer. Elle a un talent caché, on va lui donner cours. Mais elle est pas motivée. Poids, magie, à base. Épée vol, moi ça m'arrange épée vol pour elle. Lui juste épée parce que il s'en fout. Et il a un talent caché, Mercedes. Avec talent caché en arc. Hein. Penser les blessures, force tranquille. On va faire personnaliser et faire science foi en vrai, les deux. Flane, c'est science foi aussi. Catherine et bazar. Catherine, je sais pas pourquoi elle a mêlé. De toute façon, elle est tellement bien en A que en épée que ça sert à rien. J'ai envie qu'elle ait canasson, non? Épée canasson, non? Catherine. Au bout d'un moment. Mêlée, ça sert à rien. Mais c'est une foule bretteuse, elle sera pas en canasson. Regardez épée mêlée, allez. Elle, il lui faudrait arc canasson pour être une archère à cheval, non? Elle lui faudrait, je crois. Archer Calasson, non? Quoique, j'ai pas envie de les toucher, je vais laisser comme ils sont. Salut Wi-Fi, tu vas bien? Bonsoir, Pop, c'est pas encore le soir. Il est que 4h30. C'est dimanche, on joue en journée, c'est incroyable. J'espère que ça a été et que ton week-end se passe bien.
Là, on est qu'entre nous, hein. Y a pas grand monde. Mais je m'amuse. Cyril, qu'est-ce qu'on fait de Cyril? T'as en combiné. On va garder H-Vol pour lui. On va donner cours. Non, bah attends. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant là? On a les objectifs. Qui veut voler? Les deux Jacques veulent voler, mais ils ont déjà un bon niveau. Et Canasson? J'ai peu de Canasson. Hein. Oh, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de savoir ce qu'on va faire avec eux. Vous savez quoi, Canasson? Je vais mettre Mercedes et Flayne parce que je vais en faire des chevaliers sacrés. Et il leur faudra un peu de Canasson, je pense. Ah, c'est dommage ça. Ouais, mais ça arrive, j'avoue, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Mais bon. Faut vivre avec. Hein. Alors j'ai 5 personnes, je donne la... Et j'ai 1, 2. 5 personnes full motivées, bah j'ai pas besoin de réfléchir. Donner cours aux gens super motivés. Lizzie. En fait, tant qu'ils ont pas A, je continue à spammer leur truc. Parce que c'est dès qu'ils auront A, ils pourront rejoindre les classes qu'ils veulent. Après, je ferai des trucs secondaires. Ouais, tutorat. Elle a déjà son pouvoir caché. Cajolerie, c'est quoi ça? Faut faire au plus 3 aux dégâts infligés par les alliés adjacents masculins. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. On va continuer la hache. Hein. Quoique cuirassé, on est qu'en C+, et là on est en B. On va monter cuirassé du coup. Parfait. Ça monte. Merde. Je suis sorti du tutorat. Je suis désolé pour toi, Wi-Fi. C'est triste. Et la famille, des fois, ça s'embrouille. What can you do? Alors là, elle passe B+, alors je prends le truc. Parfait. Et on va continuer à spammer la lance. I'm getting it. Félix. T'es qu'en C+, en épée? Mais bon, on va te prendre son talent caché. Hein. Allez, une étoile, please. Étoile. Nice. Et une dernière étoile. Félicité, la motivation augmente. Un dernier coup. Il a que fait bien. Et Shamir pour la fin. Shamir est déjà en A. Lui donner cours, ce serait débile. Elle gagne 7 points x 4. Ça fait à peine 28. Alors qu'il faut 354. Peut-être lui monter Canasson. Parce que ça sera peut-être une archère à cheval. Allez, on va lui monter Canasson. Ok. Commençons la semaine. Merci d'être passé, Wi-Fi. À plus. Passe un bon dimanche. Veuillez m'excuser, mais avez-vous un moment, bien sûr. Pouvez-vous m'aider? J'ai l'impression d'être constamment observé. J'essaie de me dire que c'était pas mon imagination, mais je n'endors pas du tout la nuit. C'est la déesse qui veille sur vous, vous êtes en sécurité. Peut-être que quelqu'un s'intéresse à vous. C'est chiant parce que j'aimerais lui dire que c'est bizarre. Hein. Mais faut être hypocrite et dire ce qu'elle pense, ce qui lui ferait plaisir, quoi. Pour gagner de l'affection. Du coup, je pense que ça, c'est bien. Ouais, voilà, ça a marché. Et en donnant une réponse qui lui plaît, je gagne plein de tutorats. Ça donne full point. Hein. J'ai presque gagné 1000. Nombre de nobles croient les roturiers incapables d'utiliser la magie et les considèrent avec mépris. Je veux étudier la magie et accéder à la classe d'enchanteur pour leur prouver qu'ils ont tort. Oui, de toute façon, enchanteur, Grémory, c'est pareil. Hein. Tant que t'étudies la magie, c'est bon. Claude. Allons voir Claude. Claude veut parler. Hey, teach. Hold on a minute, okay?
Qu'est-ce qui se passe? Besoin d'aide? Nah, that's okay. I'll be finished soon. I'm just in the middle of mixing up a new poison. And done. What do you think of that, Teach? A colorless, odorless poison. Say, care to test it out for me? Ça fait quoi? In 2 days' time, you'll have a terrible case of, let's call it, stomach trouble. It's a peaceful poison, so you'll live, but you'll certainly be inconvenienced. I hear your silent question, Teach. Why the delay? That's so it can be used even if you don't have access to the target when you need the poison to take effect. Naturally, I have no immediate plans for this stuff. C'est pas bête, hein. I suppose I just felt like broadening the old horizons a bit. T'as un tournoi et tu combats un mec dans 2 jours, tu lui fais boire ça et puis il aura une chiasse de dingue le jour du combat, ça sera parfait. When devising schemes, it's best to have as many options at your disposal as possible. Expanding those options is kind of a hobby for me. Well, I grew up in an environment where it was necessary to think that way. It's like I told you before, I wasn't born into a life of luxury. Ever since I was a child, I've always been seen as different from those around me. An outsider of sorts. I've been resented and hated. There have even been attempts on my life. Oh, ça y est, raconte sa vie. Earned... Yes, yes. Thanks, Teach. Arrête de te plaindre. You know, in many ways, I'm just a normal person like everyone else. It can become overwhelming. And that's why I kept running. Kept fighting. As a kid, I spent a lot of time licking my wounds and coming up with schemes, trying to keep my nose out of trouble while plotting against my enemies. Bon, ça fatigué pour rien. My parents always told me I wouldn't grow stronger if I didn't learn to fight my own battles. And so in the end, I did. And I grew up to be as independent, as self-reliant as my parents always wished for me to be. Lucky me, right? Yes. If anyone knows what I'm talking about, it must be you, eh, Teach? I get the feeling you know what it's like to be an outsider. The moment I first laid eyes on you, I knew you weren't like everyone else. Mais pourquoi il raconte sa vie, il se plaint. Yes, yes, arrête de me pomper là, hein. Voilà. Niveau B, le soutien. Bon, c'était le passage du soutien B. Ah, il y aura un anniversaire. Ah. Tomas doesn't seem to be here. Oh well, that's fine. Ça parle encore du vieux. I've been researching the hero's relics a lot since we last spoke to him. I found out something interesting. Quoi donc? It's about the connection between crests and the hero's relics. The crest stone of each relic is carved with a specific crest, the one that has the ability to wield it properly. The crests are the keys. You need the right one to safely use a hero's relic. Okay. The only thing I can't figure out is, why doesn't the sword of the creator have a crest stone bearing a crest? Il en avait une avant. Precisely. At least, that's my current guess. There's more. I believe the crest stones might be the source of the relic's inhuman power. When Miquelon transformed into a black beast, he was taken over by something that originated from the crest stone. And the crest stone was on his body. It all seems to add up. Now, look at this picture I found in the library. That creature is called the Immaculate One, who was supposedly sent by the goddess to save the followers of Seros. You see the pattern on its brow and a faint circular boundary? Isn't it, if all this is true, then crest stones are what power the ability to assume massive forms, like that of the Immaculate One. And maybe the hero's relics can harness that transformative power. Oh, it is you. Have you seen Tomas recently? T'avais toujours cherché Tomas, là. I was hoping to speak with him myself, but he seems to be out on the town. I see. Well... Where? It was in the library. Why do you ask? Is it something my youthful eyes shouldn't be seeing? No, of course not. However, that is not part of this library's collection. It must belong to Tomas.
It would be problematic if it got mixed in with the other books. I will take possession of it for now. Take it away where no one can see it, you mean? What was that? Well, that's what Tomas said. He said records that the monastery doesn't approve of tend to disappear. Tomas said that? Preposterous. I have far too much to accomplish to waste time with this foolishness. He was certainly in a hurry. I wonder if he's off to confront Tomas. Well, he took the picture, so I guess that's that for now. I'll see you later, Teach. Mm-hmm. So, the church is hiding something out. Arrête de manger mon oncle, sinon je vais encore me le péter et être dégoûté. Toujours les mêmes problèmes. A secret that must have something to do with the professor's true identity. Ah mais c'est trop stylé d'avoir pris les Golden Deer en vrai. Les autres, ils ont pas l'air aussi lucides que lui. Lindhart, je dois le recruter ou pas? Yes, je crois bien, on va boire un thé. Par contre cette fois je vais pas me faire avoir, la dernière fois ça s'est mal passé avec Ash. Alors je vais aller voir ce qu'il aime bien dans le thé. Lindhart, il est là. On va pas se faire avoir cette fois. Ça va mieux se passer. Alors thé, qu'est-ce qu'il aime bien? Il aime bien le thé bizarre avec des aiguilles là. Ou alors le thé angélique. Thé angélique. I am happy that you invited me, even though it interferes with my nap time. Interesting topic. Une invitation à dîner, un cadeau qu'il aimerait recevoir. Merci pour tout. Non, attends, il y a premier, deuxième, troisième, ça. Donc le premier, ok. Une invitation à dîner, un endroit qu'il aimerait visiter, un conseil, un livre qu'il aurait lu, des camarades qui aident, les chats, explorer le monastère, les goûts qu'il préfère, et un truc du jardin. This tea is my favorite scent. Okay. So relaxing as to be downright sleep inducing. Il y a un timer, je crois, en plus, maintenant. Du coup, faut faire gaffe. Much appreciated. Bon, il y a le thé. Smells good. Notre première rencontre, les plats ratés, un monde du bon travail. Ah merde, c'est trop compliqué. Notre première rencontre, non. Les plats ratés, non. Du bon travail, du coup. Ah merde, mais vas-y. Mais comment tu... Fallait que je lise tous les autres trucs, en fait. Accept, napping, thanks for everything. Our first meeting. Putain, mais il y était dans la liste, notre première rencontre, bordel. Agreed. Les horaires de garde, le bon vieux temps. Direct du monastère. Merde! Ah, fou, c'est trop chaud. Mais je trouve pas les phrases qu'il a dit. Oh, mais même avec la triche, trop compliqué. Je trouve qu'il est en anglais, mais je sais comment on traduit. Working hours for guard. Merde! Mais ça l'intéresse, ça! Salaud! Franchement, j'y aurais jamais pensé. I am ready to begin. Let's both do our best. Professor, it is... Ça avance. C'est vrai qu'ils donnent des cailloux d'affûtage, faut que ça se passe bien. Ah, ils gagnent plein de points quand ils étudient tout seuls quand même. Well worth the effort. Nice. Prochain week-end. Du coup là ça va être quartier libre comme d'habitude. On sauvegarde. Ah soutien. Avec moi ou pas? Oh, entre eux. Bon bah on va taper et discute hein. As you can see, if we were to face an enemy on this terrain, I would go here and you would go here. Hang on. If we're trying to repel the enemy, I should be positioned there. Huh? I'm not sure that's the best idea. Take a closer look at this map. See, there's a graveyard over here. Might run into some of those ghosts you hate so much. Claude, will you knock it off already? So help me. If you continue treating me like a child, I'll... Easy there. I'm sorry, okay? Just don't start blasting off any spells in here. I've more pride than to turn an unarmed soldier to cinders.
It wouldn't kill you to speak to me as an equal when we're discussing matters as serious as this. Actually, I see you as more than an equal. There's no questioning the power you wield. And I was being serious about the formation just now. The bit about the ghosts was just me having fun with you. Or trying to. You're so smart, I figured you'd catch on to that right away. But back to the formation. Can you see why I arranged it like I did? The area I want you to guard requires the ability to adapt to an ever-changing situation. Who else could I trust with such a difficult task? You're my best bet for something like that. Perhaps that's true. Think back to the times we've fought together. When have I ever treated you like a child on the battlefield? I depend on you, Lysithia. I value your power almost as much as I do Teach's. Truly? I swear to you on all of Fodlan. I'd like to have my fun, but I wouldn't joke about something like that. I consider you a valued ally. I'll stop now before I inevitably drift back into teasing you again. Just know that I meant every word, okay? Fair enough, then. From here forward, see to it that you treat me with the respect of an equal. And I admit that you are not short on talent yourself, but don't go getting a big head over it. Nice. C'est sympa. Donc il passe niveau 2. Dorothée et Petra. Bah tu vois, ils ont combattu ensemble en plus là tout de suite. Du coup, c'est logique. Attends, mais il y a du dialogue avec tous les soutiens que tu peux débloquer. C'est insane. Ils ont vraiment fait un effort de fou. Il fait tellement chaud. Je me fais du vent. You have my gratitude, but please do not call me princess. You are making my cheeks blush. There's nothing to blush about. You're every little girl's dream of what a princess should be. Anyhow, I suppose it's been a long time since you've been back to Bridget, hasn't it? I hope you aren't homesick. Maybe we can cook one of your favorite dishes from back home. I do wish for that, but there is no possibility. The ingredients are not found here. I suppose you're right. That's probably why they don't cook the food of Bridget in the dining hall. I'm sorry. I just got to thinking about how hard it must be to live somewhere so far away from home and... No, it can't be impossible. I'll fix you a real meal of Bridget. I'll just find a recipe and similar ingredients. Ah, j'ai faim. Wait, Dorothea. It is the thinking that counts. But your cooking is... What is the word? Horrendous. That is what everyone is saying anyway. Horrendous? Nobody's cooking can be that bad. C'est vrai. The thinking is enough for me. You have my biggest gratitude. T'as la gamine. I'll do something instead of cooking for you. I just want to be sure that you feel at home here. How about a massage? That may help you loosen up. I have no problems. My body is already able to relax. Oh, then perhaps I could sing. Tain, moi je voudrais bien un massage en vrai. I'm not having sleeping trouble. Just know that you never have to worry about putting me out. I like helping my friends. Well then, I must be going, but remember my offer. Tain, elle se sent baisée parce que maintenant tout le monde pense qu'elle sait pas cuisiner. Dorothea is filling my heart full. C'est tout? C'est tout. Alors on a encore donc Ferdinand, Lindard, H, Kaspar, Sylvain, Annette, 7 persos Ingrid. Ouais, c'est des profs. Alors, Ingrid en priorité. Into sans doute qui était fort dans ce qu'on vient de voir. Déduit, mais on peut pas le récupérer. Peut-être Ingrid, Sylvain. Lui se fait défoncer. Annette était forte. En mage. On va prendre ces trois là avec lui. Et puis eux en dernier. Ok, jour de quête de combat. Inventaire. Alors. Merde. C'est pas tout ce que je voulais faire. Je me sens baisé. Épée du créateur. Épée ça. Épée ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Maintenant je sais plus.
Potion. Ouais, je sais même plus ce que j'avais. J'avais cuir acide aussi, je pense. Soit ça, ouais. Merde. Bon, retire ça parce que je crois que c'est une mauvaise idée. Hilda elle a une hache cassée, ouais, elle a une hache cassée. Lui il a la lance létale, faut que je la récupère. La lance létale on va la donner à Léonie. J'ai pas assez de perso qui joue à la lance d'ailleurs. Lance bénie, ce sera pour notre ami. Notre ami Ingrid. Bah Ingrid jouera à la lance, parfait. Tous les mecs que j'ai recrutés vont être des lanciers. Et les lanciers ennemis. Oui, on voulait voir les techniques et les capacités, c'est ça. Alors moi, il me faut épée 3, forcément. Lance, arc, je joue pas avec ça. C'est une arc à utiliser, tout ça, tout ça. Combat au corps à corps, ça, c'est mort. En cas de combat au corps à corps. Est-ce que c'est considéré comme combat au corps à corps, attaquer avec une arme? Au corps à corps, non? Je m'en rends pas compte. Faudrait que je check ça. Je vais check ça vite fait, je me demande vraiment. Merde, c'est compliqué à trouver quand même, faut quand même. Ouais, des techniques directes plutôt. Peut-être si je fais ça comme ça. Impossible de trouver cette info. On va considérer que non. Hein. Non, c'est n'importe quoi. Autorité, PV, ça. Hein. Et bon, vu qu'il n'y a rien d'autre, j'imagine que je vais mettre mêlée. Attends, j'ai pas, je pense que ça va repayer plus 5. Ah, si j'ai pris. Lui, par exemple, c'est arc. Et je sais qu'il va jouer avec rien d'autre. Du coup, autorité. Plus 5, du coup combat rapproché pour counter de proche. Merde, mais c'est tellement chaud. Et là, exemple à suivre, double expérience gagnée par les escouades. C'est possible, l'unité peut réaliser une seconde frappe avant la contre-attaque ennemie si l'endurance de l'escouade est en dessous de... Bon, l'XP des escouades, ça remonte tranquille, hein. C'est pas vraiment très compliqué. Lancer arc de retirer, bah du coup il y a besoin de ne rien changer pour lui. Lui il en a pas trop. Lui il joue pas à l'épée, il joue pas à la lance. Science il l'utilise plus. Sauf force c'est super fort comparé au reste. Easy. Ah bah voilà, coup féroce, j'ai envie de voir c'est quoi. Du coup, voilà, science 4 et x2. Autorité pour son truc.
épée parce qu'elle joue à l'épée de temps en temps. Et la soit PV plus 5, soit coup féroce. Coup faire magie plus 6, c'est l'outil initie l'attaque. Coup féroce. Elle a moins de PV, certes. Franchement, elle soigne jamais. Ça y est, c'est parti. Franchement, elle soigne jamais. Et plus 5. Marianne. Ni épée, ni lance, ni arc. Hilda. Pas de lance, coup blindé sous vitesse. On va. Alors, point moins 3, c'est forcé. En H, autorité. Point moins 3. Et PV plus 5 pour une tank. En anti-lance, qu'on fait esquive et plus des trucs, c'est. Anti-lance, c'est bien. Vitesse moins 6 à tout ennemi battu. Coup blindé. Qu'on fait défense plus 6 si l'ennemi s'y attaque. Non, ça c'est très bien. Coup blindé, c'est bien. Anti-épée, c'est cool pour elle. Elle joue pas à l'arc, c'est bien. Voilà, Eta elle a rien de plus, Petra elle a rien de plus, Dorothée elle a rien de plus, Félix n'a rien de plus, Mercedes non plus, Flay non plus, Catherine non plus, Cyril, autorité, je joue pas à la lance mon ami. Chamir n'a rien de plus, nickel. Capacité, la même chose du coup. Petra on s'en fout, âge de diamant, alors âge de diamant c'est comment? Attaque puissante qui augmente les dégâts infligés de façon notable. Mais bon, c'est avec une hache. Il a des... Oh, méditation, c'est quoi? Permet à l'unité de récupérer 5% de ses PV. Enfin, franchement, je prends. C'est trop bien. Passage en force. Je sais pas beaucoup passage en force, ça m'intéresse pas. Méditation, c'est trop stylé. Ça fait trop monk. Donc l'âme enchantée, c'est cool. Marianne a des attaques qu'elle utilise pas, mais bon, elles sont là. Léonie a pas besoin de trucs à l'arc, pas besoin de trucs à la lance, pas besoin de trucs à la hache, aucune capacité, pas besoin de trucs de mêlée. Ah, pas besoin de trucs de mêlée et elle a assaut furieux. Assaut furieux c'est comment? C'est juste une attaque très puissante, dégâts plus 5. Ah la merde. Mais là, la fine lame. Attaque dont les dégâts dépendent de la tech de l'unité, donc ça peut être bien, ça a beaucoup de tech. Contre les monstres c'est cool et contre les aériens c'est cool. Elle a combien de tech d'ailleurs? Et elle a une capacité personnelle frappe foudroyante. Elle a 14 de tech, c'est bien. Elle a que 3 d'attaque à l'arc et lui 2 d'attaque au truc, ok. Les escouades. Ça me paraît bien. Voilà, les escouades ça me paraît bien. Et les classes, personne ne peut level up de classe pour le moment. Du coup, c'était ça le coup féroce qu'elle a débloqué. Easy. Du coup, on a tout vu. Tiens, objectif, pas besoin de regarder, liste pas besoin de regarder, quête non plus, entrepôt on s'en fout. On va sauvegarder déjà un petit peu là. Marché, est-ce que j'ai des trucs à vendre que j'ai looté? J'ai looté des trésors ou pas? Non. Est-ce que j'ai des trucs à... Ah pardon, la forge faut que j'y aille. Attends, déjà la guilde. La force, faut que j'améliore des trucs. Du coup, elle, sa hache en fer cassé, elle va être améliorée. Hache de fer plus. La hache d'acier, ça tient encore. Ici, ça tient. Là, l'endurance des armes, parce que ouais, lui, il a besoin d'un arc plus. Merde, moi j'ai épée du créateur. Ah ouais, épée du créateur. Comment on fait pour la réparer? Et de l'acier noir. Plus ça tient.
La massue 5. Est-ce que je lui répare, est-ce que je lui améliore sa massue? Ouais, allez. Hilda est tellement forte, moi ça m'arrange. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui se vendent par contre? Ça, ça peut être cool. Ah ouais, petit épieu et tout. Lance légère de longue portée peut servir de projectile vers un ennemi de distance. Ça peut être bien sur... je vais acheter et je vais donner à Léonie. Gantelet d'argent. Ah ouais, putain, il y a des nouveaux trucs d'argent maintenant. Alors c'est mieux, mais faut être B. Et est-ce que c'est plus lourd? Poids. Ah ouais. Ah non. C'est plus léger que l'acier, mais c'est plus... Wow. C'est pas mal. Ça reste plus lourd que le fer. Ça fait beaucoup plus de dégâts. Yes. Peut-être plus tard. Pour le moment, c'est pas comme si on avait besoin de ça. Je vais sauvegarder, on va go. Yes. Alors que faire? D'ailleurs, je vais sauvegarder sur toutes les points de sauvegarde là. Voilà. Et on va quartier libérisé. Hein. On n'a pas le choix. Hein. En plus, il y a un tournoi de mêlée. Yes. Wouah, toutes ces quêtes. Très bien. On verra bien. Nouvelles armes disponibles à l'armurerie. Nouvelle art. Ah bah voilà, c'est à partir de maintenant. Nouvelles escouades avec Guild aussi, c'est cool. On est parti pour une longue session de dialogue. As though pulled from a corner of my memory, from a time long ago. D'accord, mais faut arrêter de dire des sottises. I'm sorry, man, I'm sorry. Hey there. Oui, 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 oui. Alors, j'ai combien d'activités? 6. Ça commence à être pas mal de points. Allons voir ce qu'on peut faire. Something, Professor? I was just asking Monica here to be less demanding of Lady Edelgard's time. Need something? I was. Okay, toujours aussi bizarre, hein, cette Monica. This, the legend, that means. Alors pour le point, ça va être soit j'envoie Catherine parce qu'elle est forte. Et faut pas être que des pugilistes. Ou alors j'envoie simplement Raphaël parce que c'est son boulot quoi. Il a 49 de PV Raphaël, elle en a 40. Ouais Raphaël, hein, c'est mon élève hein, et c'est mon monk. Hein. Je suis sûr qu'il peut y arriver. Let's go Raphaël. Il va galérer. Il fait pas assez de dégâts. Il fait franchement pas assez de dégâts. Il fait que 8 x 2 là. Il va accélérer un peu du coup. Ça va être chaud pour lui. Mais pourquoi les autres ils avaient des armes et pas des... Ah ouais merde c'est chaud. J'ai plus de PV, je fais plus de dégâts. Donc je fais 14. Ah mais quelque part je fais 14. Mais les autres ils faisaient 20 x 2. 14. Et encore 14 ça fera 28. Ouais, on va voir. Ça va être un peu chaud, je pense. Sorry, don't know my own strength. Là, faut que je me soigne. Alors qu'on est qu'au quart de finale, mon gars.
je crois que c'est mort. Va falloir que je reload quoi. Parce que j'ai pas envie de perdre un point d'activité. Ah non, je vais perdre direct. Faut que je me soigne encore. Et ça suffira pas. Mais ils ont des vraies armes. Pourquoi ils jouent avec des armes en acier? Et moi je joue avec des points d'entraînement. J'ai full perdu. Reste un PV gros. Oh là là. Et lui il me fait 12 x 2. Non mais c'est perdu. On va voir si Catherine elle y arrive. Et puis on va reload et on enverra Catherine. Mais je sais pas si elle peut y arriver hein, avec C+. Mais elle fait plus de dégâts. Hein. Ok, elle est beaucoup plus forte. Ouais, écoute, je pense qu'elle va y arriver. Parce qu'elle est juste meilleure. Du coup, je vais me retirer du tournoi et je vais reload. De toute façon, j'ai pas besoin de faire ça. Je peux juste quitter. Voilà, c'est le game. Je voulais envoyer mon perso à moi pour voir s'il pouvait y arriver, mais ouais, je me disais bien que Raphaël il pue à la merde. Catherine va le faire. Comme quoi je pourrais faire un monk de Catherine. Hein. Who knows man. Zboui. J'allais tout faire, hein. J'ai juste vérifié si j'ai l'item sur sur Léonie, ça veut dire que j'ai tout fait, ouais c'est bon. Merci Lim. Ouais, elle a toujours pas pop. Sotis. Merci. Non, c'était par là que j'étais allé. What? Need some. I was just. This, the lead, that me. On se regarde ici au cas où. Hein. Quand tu veux. Ah, ok, il t'est pas apporté. Let's go, Catherine. J'ai mis le bonus mêlée ou pas d'ailleurs? Dans sa liste de trucs. Normalement, il devrait être là parce qu'elle avait rien d'autre. Elle est trop stylée. Ouais, là, le bonus mêlée. Elle a plein de tactiques de fou là. En plus, elle tank de dingue. Oh mais vas-y, elle est trop stylée. Il a osé dire oui, hein. Là, j'ai même pas besoin de refaire. J'ai même pas eu besoin de la soigner, quoi. Elle a juste gagné. J'ai même pas besoin de la soigner. La meilleure. Et je vais passer B en enseignant, ça va être trop bien.
Alors faut faire gaffe s'il n'y a pas les items bleus quand même. Et je crois que j'ai récupéré la plupart des items. Comment on fait pour cette la fenêtre là, ouais, comme ça. I honestly cannot recall the last time I interacted with others on a daily basis like this. It reminds me of when I was a child. That was so very long ago now. What? Longtemps comment? Oh, I mean very. Very, very, very long ago. Ok. Bah, c'est très bien. Objet trouvé. Et rien n'est à elle. On pourrait prendre le thé ou lui faire un cadeau, mais elle est déjà dans ma team, ça sert à rien. Ah, un item bleu. C'est à elle, ça, non? Poster... Ah non, c'est un poster de Diva. J'ai cru que c'était un poster de Théa, je crois. Ou... Je sais déjà plus quoi le nom de la prêtresse. Réa, voilà. About these days, and just when I had some questions about a book I'd borrowed. Ugh, now I'm so curious about where he's gone off to. Ok, j'ai compris. Le méchant, c'est Thomas. Ils en parlent tellement tous. A lost item. A lost item. Alors, Annette, faut lui faire quoi comme cadeau? Tant qu'elle est là. Faut quoi comme cadeau à Annette? Faut quoi comme cadeau à Annette? Quoi comme cadeau à Annette? Par quoi comme cadeau à Annette? Annette. Annette, on a dit. Mais je la trouve fort. Ah si, c'est bon. Manuel d'arithmétique, recueil de partitions. Accès... Faut que j'aille acheter d'abord les cadeaux. Attendez, je vais me TP vite fait quelque part. Merde. Comme ça, pendant que je fais le tour, ça sert pas à rien. Où sont les magasins? Le magasin, c'est là. Après, je vais me re-TP là et faire le tour depuis là où je suis. Mais je vais d'abord aller acheter quelques cadeaux. En plus, il y a plein de trucs bleus ici. La meuf était là. No, direct. Alors, jeu de plateau, qui aime ça? Le plateau Sylvain aime bien, let's go, on en prend un. Épice exotique. Est-ce qu'un des mecs que j'aurais recruté aime bien? Ouais, H aime bien, on prend. Je sais qu'on se fait défoncer, mais bon. L'Est, est-ce que quelqu'un aime bien? Ouais, Kaspar aime bien. Bijoux de chevelure. Peut-être pas. Un bijou de chevelure, j'ai plus besoin. Pierre à aiguiser. Il y a quelqu'un qui aime une pierre à aiguiser, je me rappelle pas, on en a donné à qui que ce soit. Si Ferdinand aime bien. Dague de chasse. Pouah, c'est compliqué. Hein. Dague de chasse, tout le monde s'en fout. Perle de gemme. On s'en fout. Et flotteur de pêche. Est-ce qu'il me faut un flotteur de pêche? Yes. This one, yes. This one, yes. Soon, hey, marchand du sud. Grain de café. Et ça, ça coûte cher. Épée décorative. Je crois que ça, j'ai plus besoin parce que c'était pour. C'était pour le. C'est pour Félix. Alors lui c'était épée de cérémonie maintenant que j'y pense. Statuette de la déesse, ça c'est pour Mercedes, mais je l'ai déjà. A chaque fois je dois aller check. Hein. C'est quoi, je vais dézoom. Ouais, comme ça je peux tous les avoir en vue. Les gens de chevalerie, ça je suis sûr que quelqu'un nique parce que je l'ai déjà lu. Mode d'équitation. Ours en plouche, en plus, en plouche.
L'ours en ploche. On s'en fout. Mouchoir élégant. A pleasure doing business with you. You have a good eye. A pleasure doing business with you. You have a good eye. A pleasure doing business with you. A pleasure doing business with you. You have a good eye. Come again. Come again. But you have a good eye. Did you know that you had a good eye? Because you have a good eye. It's a pleasure doing business with you. You have a good eye. Welcome. Ça va, colle tellement pas avec le design du perso. Il devrait être plus vieux. Ou un peu plus robuste comme ça. Mâchoire plus carré. Pour une voix comme ça. You have a good eye. On se TP. Elle était où Annette? Elle était là. You have a good eye. Cadeau. Donc Annette aime quoi? Manuel recueille accessoires de cheveux stylés. Mais ça c'est aucun des trucs que j'ai. Tu as acheté? Recueil manuel accessoires. Mais what the fuck? Je vais lui donner des plantes hein. Apprécier des amateurs de fleurs. Alors apprécier de tout le monde. Il y a un truc à apprécier de tout le monde, non? Apprécier de tous. Allez, je vais lui donner deux plumes. Voilà. Le soutien a été trigger. Voilà. Elle essaie déjà. On ira faire le dialogue après avoir fait le tour. Je suis avec tout le monde. Ah, professeur! La bataille de l'aigle et lion était such good fun, don't you think? Ignatz, how long are you going to keep harping on about the battle of the eagle? Oh, come on, let me gush! Did you see how the house came together? What an incredible thing to witness. Harmony. Even true, if they can keep playing nice. Est-ce qu'il y a un truc qui est à vous? Ignat. Oh, what an true. Ouais, ça doit être des items qui appartiennent au mec que j'ai pas encore recruté. Hein. Le village, tous ces persos, tous les chevaliers, ils me parlent du village. C'est vrai. Mais je doute que ce soit une maladie. Well, that's better. But I wonder what the real cause could be. Your words are oddly persuasive, professor. Even if they're not exactly based on anything. Eh ben ouais. C'est ce qu'on appelle être trop fort. What? Bah, vous savez quoi, on va aller au nord cette fois d'abord. Professor, how are you feeling, professor? Pretty good. You look rather ill, if you don't mind my saying so. Are you sick? If so, I would urge you not to push yourself too hard. Take some rest. Merci. Just my natural talent, nothing. How are you? C'est sympa qu'il dise ça. I don't. Pourquoi je t'ai donné des objets à des mecs qui sont dans ma team, franchement. Faut que j'arrête. Hein. Ah bah y a personne, mais y a peut-être des trucs bleus. Bon, ça m'étonnerait quand même. Voilà, jamais, y a jamais rien parce que le jeu sait que tu passeras pas par là. Ouais, à Petra. Is a place of mysteriousness. In a place alike to this place, you can imagine the goddess of Fodlin truly existing. At times I miss those places in Bridget. At times I am missing those places so painfully. Bon, rien ne lui appartient, ok. Aucun point bleu. Ah! Merci. Petit acier utile, ça.
On va voir les questions, j'ai bien envie de répondre aux questions. Trois demandes. Depuis ma plus tendre enfance, la chaleur m'insupporte, mais il faut savoir se battre dans n'importe quelle condition. Alors que faire pour m'en accommoder? Ici, la magie pour vous rafraîchir. Habillez-vous de manière légère. Vous devriez vous persuader que ça ne vous dérange pas. Habillez-vous de manière légère. Ici, la magie pour vous rafraîchir. Merde, c'est complètement débile. Mais habillez-vous de manière légère, c'est la guerre aussi. Il peut pas. Je n'ai que mépris envers les élèves de l'académie. Nombreux sont ceux qui se servent de leur rang ou de leur emblème pour négliger leur entraînement. Ah ouais, vous ne valez pas mieux qu'eux, vous devriez leur proposer de se mesurer à vous. Ce n'est pas l'entraînement qui les rendra forts. Vous ne valez pas mieux qu'eux, vous devriez leur proposer de se mesurer à vous. Il va kiffer ça. Bon, de toute façon, c'était Ferdinand, c'était pas important. Ah, c'est Lizzie. Tout le monde me traite toujours comme une enfant. Faites quelque chose. Peut-être devriez-vous agir en adulte de temps en temps. Je n'y peux rien. Vous n'êtes pas obligé d'agir en adulte. Yes. During the Red Wolf Moon, wild monsters make ready for the winter to come. Donc il y aura des monstres. Mais la cutscene qui fait aucun sens, qui a toujours au début, cette fois elle a fait un peu de sens en disant que c'était l'hiver en ce moment. Et que il allait. Les loups sortaient, je sais pas quoi. Et vu qu'on a combattu des monstres récemment, il y aura peut-être des monstres dans la quête. Alors, on va voir si j'ai des points de renommée à dépenser. Oh! What is it? I'm in the middle of my daily duties. I assume you know by now that the four saints are all important figures in the teachings of Seros. Still, I have a particular fondness for Saint Cetheline. Très bien, il a une quête. I have something to ask of you. Ok. Il a des informations, on va aller check. Information, il peut me donner quoi lui encore? Ok. Cadeau, est-ce que j'ai envie? Non, objet trouvé peut-être. J'imagine tellement le perso déballer plein de trucs, dire il y a un truc qui est à vous là-dedans. Il a une boîte d'objets trouvés. J'ai 900 points, mais je peux rien acheter avec 900 points. See you again soon. See you again soon. You again. Pardon me. Ah, ça, il y a quelqu'un ici. Oh, goodness. Is something the matter, professor? Non, non. Careful. It's... Nice. Did you... En plus, elle avait besoin de motivation, c'est parfait. Sa motivation a augmenté. Merci de vous inquiéter. I could use your help. Apportez la lettre à son destinataire, ok. Lettre d'amour humble. Ah, attends, c'était quoi la quête? Il n'est pas spécifié, mais vous pouvez deviner à qui quelqu'un d'aussi haut placé fait référence. Ok. J'ai déjà fait pas mal de la zone. Hein. Merde. What? Ok, c'est une vue première personne. What the fuck is that shit? Le mec court dans un cimetière. C'est la boum du cimetière. Non, je rigole. Professor, professor, you seem unwell. How are you faring? If you're not feeling well, I'd strongly recommend some rest. T'inquiète, bro. Tout va bien. I thought we might make it through last month in peace. But no,
Another incident just had to arise. If only this debacle. C'est vrai, hein. J'avais de moi tranquille dans ce pays. I'd have gone and dealt with it in an instant. Je crois que le mois passé, c'était juste un truc qu'on avait réalisé nous-mêmes. Recruter ? I thought we if only I'm not sure. Professor, I've been watching your class activities, and I wondered if you might desire my help. Just say the word, and I'll pitch in. Mais c'est gratuit? Of course, I have to be truthful. It's all just a ploy to make it easier to research your crest. Attendez, j'ai touché mes lunettes, elles sont sales. Normalement, j'ai un petit essuie que j'ai obtenu avec mes nouvelles. Oula. Tout qui se tue, tout qui meurt. Putain, mais il me rejoint. Mais c'est insane. Mais alors, je vais aller recruter Manuel là. C'est qu'on est au chapitre où ils peuvent nous rejoindre, ça veut dire. C'est parfait. Oh non, c'est parfait. Je suis heureux que je vais avoir Manuel là dans ma team. Et ça, c'est trop bien. Les verres sont bien. Pardon, je touche le micro, mais bon. Compliqué de faire sans. Nice. Alors, est-ce que je vais réussir à mettre mes lunettes sans retirer mon casque? Oui. Bah, let's go! Ah mais c'est trop bien. And then you can help out with my class too. It's a joke, professor. I'd never put a burden on you, a first year teacher. Ah, c'est vrai que c'est ma première année, laissez-moi tranquille hein. Laissez-moi prendre de l'expérience, faire les trucs de base, préparer mes cours. Mais attendez, encore un incident. Il avait pas de quête hein. OK. Tu l'as rejoint. Professor, there are more villagers acting strangely today. Knights have been dispatched, yet the underlying cause is as yet unclear. And the most it is most distressing. Professor, what do you think about all this? C'est une sorte de maladie, ça j'ai un complot. Case, we should strengthen the guards. If you visit the village, professor, please. Lui je peux pas le recruter, mais je vais voir si j'ai pas des objets à lui. Il y a une quête ici. Enfin, j'ai l'air de s'embrouiller. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Five years since I started here, this is certainly the busiest. It was four. I've been here five. Ah, what's a year here or there? Don't be petty now, Shamir. You count your enemies the same way. If I take care of them quickly, what does it matter how many there are? Oh, sorry. We didn't mean to ignore you, Professor. As you were saying, it's been a busy year. There never seemed to be enough hands for the work. That reminds me. Do you have that thing? If you do, we want it. Vous avez ce truc. Quel truc? No, we need it. Give it to me, not her. Hey now, I'm the one who brought it up. We may be friends, but that's just rude.
Catherine et Chamir semblent vouloir un aiguisoir bricolé. Bicolore. Cadeau. Un aiguisoir bicolore. Je sais pas ce qu'elle raconte. Mais elles se sont excitées les deux. Oh nice, elle me kiffe. Un aiguisoir bicolore. J'ai ça moi? J'ai pas ça moi. Je dois l'acheter? Catherine veut un aiguisoir bicolore, cela fait. Cela lui a l'air de lui tenir à cœur. Alors recevez certainement une récompense en retour. Épée en argent. Ok, et si je le fais pour Chamir? C'est la même quête? Arc en argent. Oh, mais je veux l'épée en argent, mais je veux le faire pour Chamir. Donnez à moi. À moi, pas à Catherine, compris. Ah, intéressant. Bah, je vais prendre l'épée en argent. Ok, je peux acheter l'épée en argent et faire le truc de l'arc en argent. Je vais le faire pour Chamir. Par contre, faut que je trouve. Ah, mais je peux prendre la quête pour les deux? Elle a réglé que pour une personne. D'accord. Bon, on va voir où on le trouve déjà, leur aiguiseur bicolore là. Mais qu'est-ce qu'elle veut aiguiser son arc l'autre? Congratulations on winning the battle of the eagle and lion. I certainly feel like I earned a special reward. Don't you, professor? Oh, disappointing. I'm sorry. Élixir laxatif. Ça, je suis en train de montrer des laxatifs à tout le monde. Elle a kiffé le poster de Diva. Ça, j'avais compris que c'était elle par contre. Depuis tantôt, mais bon. Je continue à spammer, c'est la base. Ah. J'espère que vous rétablirez vite, vous mentez. Tu l'as essayé de tomber devant ta chambre en plus. T'aurais pu le retrouver. Ah, allons au... ici. Oh, je vais recruter Manuel là. I know you figure medicine and magical healing are two ways to do the same thing, but it's way deeper than that. Medicine is all about preventing infection and suppressing symptoms with, well, medicine. But magical healing is focused on closing up wounds faster, raising a body's vital energy, stuff like that. Merci d'expliquer aux gens qui comprennent pas. C'est cool. Alors est-ce que ce serait pas à toi le laxatif? Non. T'es sûr que tu veux pas me rejoindre? Tu vas me rejoindre. Professor, I know that look in your eye. You want to ask me a favor. You want me to help out with your class, right? You just say the word, and I'll help however I can. Don't worry about it. You're just starting out as a teacher. Cette musique est trop agréable. It's only natural for those of us with more experience to help the younger generation. Merci, Manuel. On va jardiner un petit peu, on va récolter tout ça. Oh, un truc de level up. Planter. Alors, planter tous les petits cailloux qu'on a deux fois, comme d'hab. Mettre de l'engrais qui coûte cher. Putain, j'ai plus beaucoup de pognon, faut que je fasse gaffe. Hein. Faut que je
Fasse gaffe à l'argent. Ah, il y a Caspar ici. Hey professor, did you see that my father came by during the battle of the Eagle and Lion? He left soon after, but I saw him talking to Edelgard first. I wonder what they could have to talk about. C'est qui son père? Yeah, he's pretty important in the Empire. I thought I mentioned it to you before. He's the Minister of Military Affairs. Still though, I could have sworn those two didn't get along. Mm-hmm. What's this? What's this? What's this? Genre le sac de cailloux, c'est pas à lui, ça c'est n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il aime bien? Qu'est-ce qu'il aime bien, qu'est-ce qu'il aime bien? Caspar. Viens de fumer de l'aspirine, il disait. For me? For me? For me? Il doit avoir le C là au moins. Ouais, j'ai C avec Bernadette, j'ai aussi Bernadette en B, j'imagine. Ou en, en... Ah si, en B. Ça, je l'avais recruté non B. Comme quoi... J'avais des stats, hein. Ça, c'est la pierre aiguisée spéciale. Dans la vie de recherche. Ok... avant de pêcher, on va parler à Aloha, je sais pas ce qu'il fout là. Catch me some mighty fish, just you wait and see. I didn't catch a single fish last month, but this month, oh, this month. Oh, mais le pauvre, il a la haine. Il peut être sûrement quelque chose de travers. I'm casting my line just as the captain taught me all those years ago. You're going with the captain to investigate Remire Village soon, aren't you? Oui. It feels like so long ago that you two came here. C'est vrai. Je peux le recruter ou pas? Ah, je peux toujours pas le recruter. Je pensais que ce serait débloqué avec Manuela et truc. Et Alman. Bon. On va pêcher un petit peu. Parce que j'ai encore des bah, des trucs. D'ailleurs, je dois vendre mes poissons, non? C'est ça le gap de pognon que j'ai. Il y en a qui se vendent à un bon prix et il y en a qui se cuisinent. Ah mais ça donne du professorat, vas-y j'ai tout pêché, comme ça c'est fait. On oublie mais c'est important. Ça donne combien de points? Peut-être 20 points à chaque fois? Faut que je regarde. Genre je suis à 655, let's go. Merde, pardon. Et 625, eh ça donne 25 points. Après ça dépend peut-être du poisson. Là ça donne que 20 points. Mais c'est suffisant pour que je passe peut-être le prochain niveau. Plus facilement.
Ouais. Il reste combien de poissons à faire là? Pas grand chose. Attends. Bon, je vais bientôt finir mes poissons là. Mes poissons, il me reste combien? J'ai même pas fait gaffe combien d'hameçons il me restait. Let's go. Je vais juste finir mes hameçons. Merde, j'ai raté là, non? Ah non, c'est bon. Comment ça va, camarade? Ça va, camarade Bob? Ça va, Elnot? Laisse-moi deviner, tu viens de te réveiller. Non, je vais. tac, ça c'est fait. La pêche dans ce jeu, c'est pas si désagréable. Bingo. Ça va, il reste pas beaucoup de pêche, il reste 5 après celui-là. Après, je vais essayer de vendre des poissons qui coûtent cher. Au moins, faut que je me refasse du pognon. Mais allez, fais des excellents là. Let's go. J'espère que la pêche sera pas aussi chiante dans d'autres jeux. Dans WoW d'ailleurs, c'est pas dans pas longtemps. Hein. Faudrait que je note hein, quand ça sort tous ces jeux, parce que à chaque fois je l'oublie. Je me suis perçu sur No Man's Sky hier. Alors est-ce qu'il est vraiment bien le jeu? Parce que j'ai entendu dire que à un moment il y a eu des mises à jour, alors ça fait un moment déjà. Hein, mais que le jeu il est devenu vraiment bien. Oh attends, un poisson d'or. Parce que je me rappelle quand il était sorti, les gens ils aimaient pas. Hein. Mais visiblement maintenant le jeu il tue de dingue. Demain WoW. Comment ça demain WoW? Pas le 28? On n'est pas le 25 là? C'est demain? Le 26. Demain à quelle heure? Ça veut dire qu'il faut que je le télécharge, j'aurais pas le temps. C'est pas un jeu qui fait 1 milliard de gigas. Est-ce que j'ai bien envie d'essayer? Let's go, man. Putain, mais j'ai gagné tellement de professorat. J'étais à 680, un truc comme ça. Et là, je suis à 385. Alors c'est tout bête, hein, mais en même temps je me fais du pognon et je rate tous mes trucs. Et chaque poisson il me donne genre 10. Regardez comment je suis bientôt professeur niveau B+, je crois. Enfin B. Et plus d'appât. C'est trop stylé. Par contre je sais pas où vendre mes poissons, je crois que c'est au marché. Ah H, H, faut qu'on le recrute, on va lui parler. Je vais check vite fait ma liste. Yes, H il voulait quoi ce type? Qu'est-ce qu'il voulait ce type? Qu'est-ce qu'il voulait ce type? H. H, 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 H. Il aime bien les violettes, les pièces anciennes, les épices exotiques, les gens. Attends, d'abord il m'a demandé un truc. Il n'y a rien de normal dans toute cette affaire. Il paraît que c'est une simple maladie. C'est peut-être l'œuvre d'un fantôme, c'est le mec. Oh, come on, don't tease me. Mais je rigole. Peut-être un fantôme, qui sait. Il y a bien des monstres dans le jeu. Eh mais tous ces items qui appartiennent à personne quoi. Alors cadeau. On a dit violette, pièce ancienne. J'ai pas de violette. Épices exotiques, ça j'ai. Et légende de cavalerie. Ah ça c'est pour lui, légende de chevalerie. Et délice fuité. Là il doit me kiffer là. Là il doit me kiffer là. Ah oh, il me kiffe, ça y est. Ah non il me kiffe pas du tout. Il me kiffe pas? Mais. Ah mais ah je suis déjà C avec lui. Oh mais c'est tellement dans la poche. Je jure cette pièce c'est à lui. Ah non. Moi j'ai rien dit.
Le jeu a une méga mal, franchement il est pas mal, c'est du farm mais il est bien. No Man's Sky, j'essaierai peut-être un de ces quatre. Mais je me rappelle de comment les gens détestaient le jeu quand il est sorti, que c'est chaud d'avoir envie d'essayer. Avec tous les bons jeux qui sortent à côté, je veux dire. Du coup c'est plus compliqué. Mais non, ça devrait aller. Au marché, je peux vendre mes poissons quand même. Peut-être chez eux. Yeah, je peux vendre mes poissons. Alors, attendez, il y a des poissons qui valent que de l'argent. Poissons onéreux qui scintillent comme l'argent. Et t'as d'autres poissons, voilà, utilisés dans un repas. Du coup, ceux-là, je sais que je peux les vendre. Non, je préfère parler à l'autre. L'autre, il me fait rire. Sa voix. Hey, welcome. You have a good eye. You have a good eye. A pleasure doing business with you. You have a good eye. J'ai rien d'autre à vendre en vrai. You know what? You have a good eye. Il fait tellement délirer avec sa voix. Alors attendez. Non, ouais, ici tout est fait. 27 à minuit. Du coup, c'est le 26 soir. Ok, I got you. I got you. Oui, 26 à minuit, ça fait aucun sens. Enfin, 27 à minuit, ça fait aucun sens. Ils sont vraiment cons, en fait. C'est le 26 au soir, quoi. Bah oui. Ouais, ils sortent des trucs à minuit, eux aussi. C'est quoi ce cerveau? Attendez, est-ce que j'ai trouvé le truc pour elle, là? Il y a ce chamaille pour moi, là. J'ai tellement envie de donner le cadeau à Shamir. Mais je l'ai pas, bordel. Faut que j'aille l'acheter. Bref, on verra. Il y a encore des types à qui parler ici. Ah bah c'est Félix et Ingrid. Félix et Ingrid. Alors comme ça vous discutez. Why, all of the food I've eaten in this monastery has been absolutely delectable. Every last bite of it. Food really is the only thing you think about, huh? Hardly. I think about all sorts of things. Oh, like tomorrow's menu, for instance? Ah, elle est trop stylée. Ah, check la quête. Ah, c'est bien un combat amical avec les soldats de blabla. Ok. Objet trouvé. Ça c'est à toi. Oh là là. Bon, toi tu veux rien. Par contre, Ingrid, je veux te recruter. Objet trouvé. Bon, le laxatif n'est pas à elle. Arrête de dire non. Je t'aime, Ingrid. Rejoins mon équipe. Bon, d'accord. Cadeau. On va faire des petits cadeaux à Ingrid. Légende de chevalerie, bottes d'équitation, viande fumée. Eh bah tu sais quoi, j'ai des bottes pour toi. Bien sûr. J'avais de la viande fumée, mais je l'ai donné à un autre mec, pardon. Et j'avais aussi des légendes, mais je les ai données à quelqu'un d'autre, pardon. Au moins, elle m'aime en C quand même. Elle m'aime déjà en C. Va falloir que je vérifie si je peux pas déjà les recruter avec les stats que j'ai en vrai. Quoique... Ingrid, faut quoi? Dès qu'il y a aérien, oh c'est mort. Oh lui j'aimerais tellement l'avoir mais bon. Je serai sur mes gardes. Faut squatter hein Edelgard. Avoir des meilleures cuisses que ça. Moi j'ai même pas eu de choix dans le dialogue. Il y a quelqu'un là. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas mieux qu'eux et voilà que maintenant je n'arrive même plus à en voir un. Mais de quoi il parle? Merde, j'ai pas lu. C'est sain de se remettre en question. Le temps guérit toutes les blessures. C'est sain de se remettre en question. Ah, le poisson. Ah, ok. Ah, nice.
Ok, on a trouvé des trucs à lui. Alors il me reste quoi à faire? J'ai les quêtes à faire en fait. Alors on va aller faire les quêtes et puis on va aller recruter des gens. Quoique non, je suis pas allé ici. C'est vrai que je suis pas allé au dortoir au premier étage ni dans la salle des professeurs. Ah mais la pauvre, aucune discussion. C'est à toi ça, ça aussi. Ça c'est à toi. Ah mais vas-y. Attention le chat. Gros virage. Une armure pétée? Qui a fait ça? The Meyer Village. Is that not where you met Edelgard? If you had not been there, something terrible could have happened. Did one of the house leaders know that mercenaries were staying in Remire Village? I wonder. It will remain a mystery for now. Oh, il est mignon le truc avec des fleurs sur le bord là. Non. How could you possibly think that's mine? Comment il abuse lui. C'est Sylvain ou c'est quoi? C'est Ferdinand. C'est Ferdinand. Bonne équitation, feuille de thé, pierre aiguisée. Je vais pas tout donner. Parce que peut-être ça suffira. Et j'ai su refaire vivre mon lecteur. Sérieux, GG. GG, bro, c'est bien. C'est bien ça. Mais qui aime les jeux de plateau? J'avais acheté des jeux de plateau. Sylvain, faut que je trouve Sylvain. Faut donner les jeux de plateau. Y'a pas de truc bleu au bout du couloir? Non. Ah, c'est les vrais strats ça. Même si je spend all of my time rummaging through this library, there's a limit to the knowledge that can be gained. Apparently, it only contains books whose contents have been deemed appropriate by the church. If only Thomas were around, I bet he has some interesting stories. Oh, mais ça parle tellement de Thomas que ça doit être un. Il doit y avoir une arnaque avec Thomas. Oh, trop bien. Oh, mais il avait déjà full motivation, dommage. A lost item. Pas besoin de faire des cadeaux à un mec qui m'aime déjà. I fear I make my life. Alors lui faut que je le recrute aussi, du coup on va... Nice. On va faire quelques cadeaux à Lindhart aussi. Alors Lindhart il aime quoi? 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 Emblème illustré, flotteur de pêche, délice fruité. Flotteur de pêche. Ouais, j'en ai plein. Fleur coupée. Non, délice fruité, emblème illustré, ok. Bon, ça suffira pour qu'il m'aime en C ou pas? Il m'aime en C. Ok, on va faire les dialogues tous ensemble après. Bon, faudrait que je prenne quoi à Iceborne? J'avoue, j'ai toujours pas acheté à Iceborne. Il y a plein de trucs que j'ai pas acheté. Même moi, j'ai pas encore acheté alors que j'aimerais y jouer. Nice. Un objet. Mais tu vois, par exemple, je trouve cet objet à la fin appartient sûrement à une personne hautement allergique au ménage. Ah, ça c'est Hilda, ça. Elle déteste faire quelque chose. D'ailleurs, où est Hilda? Oh, Léonie qui parle avec mon papa parce qu'elle elle kiffe trop. Professeur, Captain Gerald just told me. Remire Village is in a bad way, right? The situation there is worrying, yes. But tell me, how is your vertigo? D'accord, un peu mal à la tête. Are you not feeling okay? You should get some rest. Hmm. If you must go to the village, make sure you're in good health before we depart. Professor! The situ... Obligé de trouver... Someone lost... Someone... Comment elle est vénère sur l'image.
Tellement énervée la meuf. J'aime bien Léonie, hein, mais des fois elle est bizarre. Ah merde, il y avait quelqu'un tout en bas. Hey you. Ah bah Sylvain. I wonder how Remire Village is faring. Hopefully we're not dealing with some new epidemic. It wouldn't be unheard of. Almost 20 years ago, a terrible plague blazed through Fargus. It even hit the capital city, taking the queen consort's life. Or so I heard. The whole kingdom was in an uproar over that loss. The person who saved the kingdom wasn't a doctor, but a holy woman, the fair lady Cornelia. Intéressant. After that, she was awarded the honor of being a mage in the service of the royal family. She sounds like an amazing woman, but she must be pretty old by now. But hey, maybe she's aged like a fine wine. Oh, that's mine. Oh, thanks, professor. De rien, bro. Petit cadeau, Sylvain. Sylvain, c'est le bizarre qui aime les femmes de dingue. Hein. Je suis sûr que si le perso était féminin. Ah non, mais j'avais lu que si le perso était féminin, il rejoignait direct. Jeu de plateau. Ah, bah c'est lui qui aime ça. Mouchoir et gants et peinture. Mouchoir et gants, vas-y, tiens. Et peinture de je sais pas quoi. Peinture de paysage. J'ai ça, moi ? Non, ça m'étonnerait. Alors, est-ce que lui aussi il est passé au bon soutien ? Ah, toujours pas. Peut-être lui donner une plume du coup. Peut-être lui donner une plume. Les plumes, ça, tout le monde kiffe. Plume de chouette. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Donc ça optimise un petit peu parce que après je fais les dialogues puis j'ai encore les points de ce week-end pour aller manger avec eux. Et après je les aurai tous, je pense. Do you ever wish you could return to your life as a mercenary? Non, je suis bien. Is that so? C'est cool. I suppose you have become accustomed to your new line of work. This month's assignment will again take you outside of Garrickmark to Remire Village. It was in Remire that you first met Alois and the rest of his order, was it not? Half a year has come and gone since then. C'est vrai que tous les chapitres c'est un mois, le temps passe. Hein. Le temps passe. Le chapitre 8, du coup ça fait un moment. Hein. J'ai une lettre d'amour humble à lui donner. Pour la quête. Et est-ce qu'elle donne des formations intéressantes? Non. Faudrait que je fasse des formations de foi pour mon talent caché quand même. Pas que j'oublie. Pas que j'oublie. Bon, les quêtes sont terminées, on va les check. La récompense. Alors, regardez tous ces dialogues de soutien, c'est insane. Je suis TP tous ces updates. Well done. You have my thanks. Ok, ça c'est fait. Il y a un dialogue de soutien en bas avec une quête aussi. On va aller vers la quête d'abord. Pourquoi j'ai envie de passer par là? Impressive. Thanks. J'aime cette voix qui colle pas aussi avec la gueule du type. On va voir Annette. Bien sûr. Well, I have this book of battle tactics that I borrowed from one of the knights. There's one part that I just don't understand. Do you think you could explain it to me? Bien sûr. Pas de problème. Great. Thank you so much. It's about this diagram here. I don't get why the knights are grouping up in that forest there. I just can't see the advantage to a formation like that. Eh bien, vois-tu, les arbres passent entre les chevaux et ils font un peu d'espace, quoi. C'est vous qui avez fait tout le travail. No way, I couldn't have done it without you. I just love learning new things.
That's why I came to the Officers Academy. I want to learn magic, battle tactics, martial arts, and well, I'm learning more now than I have in my whole entire life. Speaking of, I'd better go visit the library for some research before magic practice. Franchement, qui se tient comme ça quand il parle? That's just not possible. I always find it's more tiring to laze around doing nothing. I've never been any good at that. I have to have something to do. Like, on my days off, I need to get up early and take care of the cleaning first, or I just can't relax. You know what I mean? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je comprends. Oh, I'm so glad you agree. You'd be surprised how rare it is to find people like us. Ça, ça fait du bien de nettoyer. Mercy never sets foot outside. Faut juste que personne ne vous dise de nettoyer. C'est ça, l'astuce. Personne ne vous dise qu'il faut nettoyer, faire la vaisselle, ce genre de truc. Mais si toi-même t'as envie de le faire et tu le fais, c'est ça relaxe de dingue. Elle va galérer. Hein. Soutien C. Il y a un autre soutien en bas. Bon, on va faire tous les dialogues hein, en même temps qu'on remet les quêtes. Ouais, professeur. Moi, je sais, à chaque fois que je vais passer, je vais dire élève, hein. Et puis voilà. Professeur. Hey, professeur, what's going on? Ouais, il fait soir. Enfin, c'est l'après-midi. Chut. Okay. Why are we being so quiet, though? Oh, look at that guy. He looks pretty suspicious. Ouais, continue à crier ça. What do you think he's up to? Never mind that. Let's get him. Vous pouvez agir sur gars. Why not? We can figure out what he's up to after we capture him. My instincts tell me that he's up to no good. And my instincts are never wrong. Come on, let's get him before he has a chance to strike. Ta gueule. There's no time to calm down. I'm just gonna... Oh no. The path he's walking down leads to the plaza where the kids play. There's no way I'm letting this guy get anywhere near those kids. Il est complètement possédé, Caspar. Caspar. Why did you disobey your professor? Well, I am not seeking excuses from you. I asked because I want you to consider your actions and apologize for them. It just so happens that you were correct in your assumption that this man was a villain. If that were not so, he would not have chosen to take his own life upon seeing you advancing toward him. Great! So I was... But, because of your actions, that is all we know. Le mec s'est suicidé? There is no way for us to know who he was, what he was planning to do, or if he has allies lurking about. The only lead we have is a scorpion tattooed on his arm. If this indicates that he was c'est la salamandre, enfin la scorpionandre. No way of dealing with it. Are you prepared to be held responsible if his group commits a serious crime? Non, faut j'aurais dû le retenir. C'est bon, ce professeur qu'il faut blâmer. C'est sûr. Oh, I couldn't possibly. What are you talking about, Professor? We didn't do anything wrong. Those kids might have been in danger if we didn't act. Je vais le recruter et le laisser mourir, cet enfant. Just stand by and let that happen. Il comprendra plus tard. Au soutien, c'est... Professor, what have you got there? I can offer nothing more than this, but I do ask that you consider trading with me. D'accord. I'm in your debt, Professor. Coupe dans les mains, si. Beauté d'amener. Il m'a donné quoi, un livre de waifu? Mais le cadeau est pour quelqu'un d'autre, ce qu'il m'a donné. D'ailleurs, pendant que je repasse, j'ai trouvé des autres objets que je peux essayer de donner, non? Maintenant que j'y pense, est-ce que j'ai trouvé Hilda ou pas encore?
J'ai dû la trouver, mais j'ai oublié où elle est. Je suis sûr, le chiffon est à elle. Il y a un dialogue ici. Il y a un dialogue ici quand même. Au secours. Laissez-moi tranquille. Ouais. Fallait vraiment être au milieu, quoi. Ok. La dernière fois que je vous ai, ne ratez pas d'autres cours. Eh. On va au cours. Drowsiness is my arch nemesis. For some reason, I just can't seem to win against it. Just talking about it makes me sleepy. Moi aussi. Un peu d'entraînement devrait vous stimuler. Allons en ville pour changer les idées ou manquer de motivation. Un peu d'entraînement, ça réveille. Oh no, I couldn't possibly. I would certainly injure myself. I must compliment you though. By this point in most conversations, I'm bored senseless. But I'm enjoying this. I wonder why. What is it about you that fascinates me so? You're definitely a strange one. Possible. In truth, your very nature is odd. You're definitely not a commoner, but you don't seem like a noble either. You're something else. And yet you can wield one of the hero's relics. Je suis le perso principal du jeu, tout simplement. Some silly legend. Or you could be a villain who came here to enact some evil plot. That wouldn't surprise me either. Hey professor, will you ever allow me to investigate that crest of yours? Je sais, mais même Anman n'a pas réussi. It won't hurt a bit, I swear. Of course I'm not as experienced with such research as Professor Hanneman, but I do what I can. Someday I think I might like to become a crest scholar. You never know. Oh, don't trouble yourself. I didn't mean now. I've got a lot of other research I'm working on at the moment. I tend to start a project, get bored, and then leave it be. I might be ready to investigate your crest soon. I'd have to tidy up a bit first. On that note... Le salon a envie de bailler, quoi. Right. Bâtard. Petit bâtard. What the... Enfoiré. Hey. What the... Et je commence à connaître l'endroit par cœur, hein, mais bon. J'ai besoin de la map pour savoir où sont ces dialogues. Pourquoi près de ma chambre? Qu'est-ce qui se passe? Sylvain, mec, qu'est-ce qu'il fout là? You think I'd cheat? On you, baby? Never. Come on. You should know me better than that. Ça commence mal. You're the only one for me. I swear. Hey, if you don't believe me, well... Oh, I get it. If I'm not your type, do you want me to introduce you to some other guys who have crests? They're all nobles, just like me. What? That isn't why I'm... You're worse than I thought! I just want you to be happy. You know, get what you're after. I hate seeing a girl cry. Especially one as beautiful as you. So, you know, maybe we... So, Professor, do you enjoy spying on people? You look like you've got something to say, so say it. Connard? Hey, that was between me and her, not you. Connard quand même? But you know how it is. Most relationships, they end in heartbreak. Anyway, du coup, connard. I don't know why she's so upset about me dating other girls. She didn't care before she found out, so why does she care now? I really do hate seeing a girl cry. I swear it's the truth. My heart's in a million pieces right now. It's just the worst. Well, I figure the best way to mend a broken heart is to head out on the town. Why don't you join me? Who knows? Maybe you'll find love. I mean... J'ai même pas le choix de dire non. You've really got no sense of humor, you know that? Putain, mais il est useless lui. On va pas le recruter lui, hein. Par respect pour nous-mêmes. Ou alors lui aussi on le recrute et on le laisse mourir. Putain, mais Sotis arrête d'être disparu. Hey there. Il pourra mourir avec Kaspar. Why not? Hey there. Faut tuer des gens, autant sacrifier les plus aptes à mourir quoi.
Je sais pas s'il y a un achievement pour recruter tout le monde. Faudrait que je check. Si c'est le cas, je le recrute et après on se fout de sa gueule. Ah oui, pardon, mais elle est déjà dans ma team. Je peux sortir aussi. De temps en temps. I can't pass up having all the space to myself. I love feeling like I'm all alone in the world. Oh, that. Well, I guess I can tell you, Professor. My father's obsessed with money. He's only ever seen me as bait for a rich husband. To train me to be a good, submissive wife, he'd do things like tie me to a chair and leave me there all day, challenging me to stay quiet. I tried hard to do as he asked. Honestly, I did. But before I knew it, I just couldn't bring myself to leave my room anymore. Oh. I just had this overwhelming feeling of fear all the time. No matter how hard I tried, my father never thought I was good enough. After that, he was just constant scolding. He couldn't say two words to me without mentioning how useless I was. My life was isolated, to say the least. T'es une meilleure archère qu'Ignatz, déjà. Ça peut aider. Let alone make friends. Soon, but even that made him mad. And when he tried to drag me outside, I kicked and screamed so much, I seriously hurt myself. He's calmed down a bit in recent years. His constant torment was replaced with complete indifference. He mostly acts like I don't exist now. If you can believe it, I was basically kidnapped. What? My mother ordered an attendant to stuff me in a bag while I was sleeping. By the time I figured out what was going on, I was already here. For a while, I was sure I was going to die. But here I am. Look at me. Still breathing. I'm sorry. I didn't mean to get you down talking like that about my past. Just forget everything I told you. There's no point in talking about myself anyway. Idiot. Oh, this is why everyone hates you, Bernie. C'était nice. What? No, it's not. Oh, Professor. How can you be so kind to me? I don't deserve it. Feels bad, man. Mais là, ça l'a gagné full motivation. Il y a encore une quête là-bas. Et je crois qu'on en aura fini. Hein. On pourra juste essayer de recruter Ingrid. Ingrid et Ferdinand, je pense, pour commencer. Et Annette, ouais. Ingrid. Y a, ah, oh putain, il y a trop de monde. Qu'est-ce que je fous ici? Ah oui, l'item est à elle. Et du coup, elle me donne amulette de feu. J'ai obtenu un nouvel objet, il a l'air rare. Oh mon dieu. À qui dois-je le donner? Faut que je me TP quelque part pour que ça repop, c'est ça? On va aller au réfectoire. Ah merde, ça pop pas. À qui ça peut bien être? Amulette de feu. Non mais comment on check entrepôt? Talisman provenant de loin intéressera peut-être un personnage originaire d'un pays lointain. Ça c'est Petra, ça. Elle est où? Merde. C'est Petra, 100%. Quoique... Ça a l'air de pas être Petra. Ouais, j'ai sauvegardé. Je crois qu'on perd... On perd les cadeaux si on les donne à la mauvaise personne, non? Ah mais je peux pas.
Ouais, ok, ça c'est des cadeaux spéciaux, tu... Enfin, des cadeaux uniques, du coup, faut forcément les donner à la bonne personne. Bah, ah, mais merde, c'était là-haut, j'avais même pas remarqué. Ah, Cyril ? Ah, c'est vrai qu'il vient de loin, lui aussi. Ah mais c'est pour obtenir l'item pour une des waifus, c'est ça? Sans doute pour ça. Sans doute un item que je vous donnerai soit à Shamir soit à Catherine à la fin. J'ai même pas fait gaffe à ce qu'il m'a donné d'ailleurs. Mais la porte était fermée. Ah oh, mais la Switch. Hello, professor. Would you mind trading it with me for the Pierre Saint-Cyr. Love. Wow, mais c'est infini. Laissez-moi tranquille. Marion. If it's not too much of a thank you so much. Serme oculaire. Mais pour qui ce serait ça? Une darde, ok. Pour qu'il s'endorme pas. Excellent doing business with you. Avec histoire bicolore, c'est bon. J'ai item. Pour une des waifus. Moi, je vais donner à Shamir. Les deux sont magnifiques, mais. Mais je trouve Shamir plus belle, je sais pas. Du coup, c'est elle que je choisis. Sans aucune autre raison. Parce qu'elles sont toutes les deux sympas. How? You can't even give it here. Excuse me. I asked her. What a letdown. You made the right choice. Here's your reward. Thanks. Tout ça pour un narcole, alors. Nice. Bah, vous savez quoi, je vais aller m'acheter une épée en argent. Comme ça, on a les deux. A moment, please. A moment, please. Can I have a moment, please? Just to talk about nothing. A moment, please. Besoin d'armes. Petite épée en argent, please. Will this one do? Let's go, man. Ça, ça coûte cher. Stocker. Épée en argent, elle est où? Merde, il me faut trop de points en... Vous savez quoi, je vais donner ces items à mes deux persos kind of principal. Et un jour ils pourront les utiliser. Faut avoir B, j'ai même pas B en épée moi-même parce que je pue la merde en fait. Ah ouais, je pue la merde. Yes, puage de merde. Très bien. D'ailleurs, gantelet en acier, c'est pour notre ami Raphaël. Gantelet en acier plus. What do I do now? Bah maintenant je crois que j'ai 5 points, on va sauvegarder et simplement essayer de recruter les gens. Alors commençons par Ingrid. Ingrid qui était dans un hall chelou. Ah bah ici. Ingrid qui need tech aérien. Alors voyons voir mes stats. Merde. Il y a vraiment un item bleu juste ici que j'ai jamais vu. Les bonnes manières. Très bien. Où est-ce qu'elle est exactement? Ici à droite. On va voir mes stats. Alors tech j'ai 15, aérien je suis à chier ça. Aérien j'ai E+. Avec E+, c'est compliqué. Faudrait que je passe à B de soutien avec elle du coup. Soutien je suis à... assez avec tout le monde. On va aller manger plutôt. Du coup. On va essayer de manger avec Ingrid. Et avec quelqu'un d'autre que je voudrais récupérer. Je trouve pas Ingrid. Après, je sais qu'elle est peut-être disponible, mais là au moins je la vois.
Et je suis sûr. Bah je peux prendre Annette hein, du coup, parce que j'aime bien Annette aussi. I appreciate any good meal, but nothing beats enjoying my favorite food. Ooh, I love this stuff. Did you know that? Oh, je suis tellement presque à professeur C. Il me reste rien du tout. Enfin, B. Soutien n'a pas augmenté. On peut continuer à manger avec d'autres personnes. Qui d'autre? Qui d'autre? Attendez. J'ai fait Ingrid H. J'aimerais... Enfin, Ingrid Annette. Bon, Sylvain, il me casse les couilles. J'ai pas envie. H, j'aimerais bien avec Ferdinand. Et Kaspar et Lindard, ils m'intéressent pas. Donc, Ferdinand et H. Ferdinand et H. Ouais, on va regarder s'ils sont dedans. Ah bah voilà. Niveau d'enseignant B. Ça fait plaisir. Oh, c'est trop stylé. J'ai pris plus d'assistants, ça c'est cool. Ah, il me reste 3 tâches, soutien toujours pas top. Entrepôt, je check les cadeaux que j'ai pour Ingrid. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut cette conne? Bah, d'équitation, légende de cavalerie. Mais je pourrais pas en acheter, je pense que c'est limité. Je peux pas bourrer. Bon, pointe de flèche. Tu peux pas bourrer, tu peux pas bourrer. On va quand même aller vérifier, mais je crois que tu peux pas bourrer. Ouais, tu peux pas bourrer. Ah, et pff, délice fruité en plus, il y a pas. Return soon, please. Hey, welcome. Welcome. Come again. Come again soon. What? A pleasure doing business with you. On va quand même essayer de lui donner des trucs. Vous savez quoi, attends. On va se regarder. Tellement il l'a recruté. Ou alors on prend le thé avec Ingrid. Ça serait pas mal. Amateur de fleurs. Je sais pas si elle met les fleurs. Est-ce que j'ai une info sur elle? Hello. Alors, je peux pas regarder. You know, professor, why all... Oh. Plume de chouette. Is this for... Attends de fleurs. Ça m'étonnerait que ça va passer en B. Ouais, c'est impossible. Peut-être c'est en C. Là, je vais voir tu sais, à la cafette, c'est quoi exactement. Si je suis en C ou en C plus déjà. Je suis en C plus. Qu'est-ce que t'as fait, Elnot? Pourquoi t'aurais exagéré sur Innocence? Elle est en C+. Je crois que prendre un thé serait rentable. J'ai pas envie d'augmenter mon aérien. Qui donne cours d'aérien? Attendez, je suis comment? Il me manque 45. Qui donne cours d'aérien? Flying, Manuela. Manuela. Au revoir, Manuela, vite fait. I know you figure medicine and magical healing are two ways to do the same thing. T'as GG. But it's medicine, but magic. GG pour le pourcentile. Formation, ça que je cherche. Alors elle donne 22. Ah ouais, mais en fait j'ai... Ouais, c'est ça en fait. C'est... J'ai 22. Du coup ça me fait 44.
Et du coup, il me manque un quand même pour passer en D. C'était le même problème la dernière fois. Je vais aller voir si je n'ai pas assez de points avec la renommée que j'ai gagnée pour avoir un bonus de flying. Avec les statues des déesses. Elle peut me donner plus de bonus quand j'apprends. Oh putain, je viens d'avoir un de ces mal de tête là. Ah, au secours, mon cerveau. Oh putain. Oh mon cerveau. J'ai trop réfléchi ou quoi? Je suis à 1600 points. Épée, cuirassé. Ah, y a pas vol. Y a pas aérien. Ah mais j'ai déjà pris le bonus aérien en plus. Bon, je vais prendre quoi comme bonus du coup? Cuirassé, épée, impulsion divine, impulsion divine. Prendre épée. Parce que derrière il y a science. Et c'est celui où je suis le plus proche du 10% d'XP. This one? This one? You're all set. See you again soon. You again. Soon. Je vais, vous savez quoi, je vais prendre un T avec elle. Et si ça passe en B, bah tant mieux. Et je vais essayer d'avoir des bonnes réponses. Ça prend un de... Ouais. Je vais prendre un T avec Ingrid. J'ai tellement envie de la recruter. Après, je pourrais attendre le week-end prochain, simplement. Hein. Et si juste manger avec elle, elle passera B. Hein. Pourquoi je suis pressé comme ça? J'avoue, pourquoi je suis pressé comme ça? Pour attendre le week-end prochain et remanger avec elle. Ouais. Pas envie de me faire chier. Ouais, il y a Hilda quelque part déjà. On va aller voir Hilda parce que je pense que l'item que j'ai c'est à elle. Faudrait que je mange avec les persos de mon équipe en fait là. Pour qu'ils aient de la motivation pour les cours. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Et après, la semaine prochaine, j'aurai assez de points pour quand même recruter Ingrid. Non, pas toi. C'est à Hilda. C'est à toi, ça, non? Putain, mais... Bon, tant pis. Ouais, ils sont pas motivés, mes élèves. Hein. Ils sont tous moyennement motivés. Oh putain, y'a Manuel là dans mon équipe avec Hanman, c'est quand même fou. C'est dingue. Je vais manger avec ma team. Il me reste 2 points, il me reste 3 points. Je vais manger avec 2 persos de ma team. Et puis je vais aller apprendre de la foi, je dirais. Avec mon perso, pour qu'il gagne son passif de foi. Il serait temps quand même. Oh, attendez. Qui a besoin d'avoir cours? En fait, il n'y a personne. Il n'y a que Bernadette et Claude qui sont motivés. Du coup, il faut que je donne aux persos qui sont orange. Je vais aller manger avec Hanman et... Quoique, avec Catherine et Shamir. Ou plutôt Cyril Mercedes. Mercedes Dorothea, plutôt. Ce serait plus logique. Dorothea Mercedes, voilà. Ouais. Comme ça, elle passe niveau max d'apprentissage. Là, je peux donner cours à 6 personnes. En plus, elle me kiffe. C'est parfait. Objectif. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4 persos qui peuvent bien. Du coup, faut que je le refasse encore avec 2 persos. Faire Shamir et Catherine, comme ça, elles m'en veulent moins. Ah, elles aiment pas ça. Ah, elles aiment pas ça. Ah, Shamir kiffe. Catherine. Catherine aime pas. Faut que je trouve un plat qu'elles aiment toutes les deux. Ah. Ah. Shamir et Catherine. Petite Catherine. Oh, vas-y. Ah, Shamir et Catherine. Je me disais bien qu'on avait trouvé un plat qu'elles avaient kiffé toutes les deux. It's too rare that we get a chance to kick back and stuff our faces. Come on, Shamir, time to gorge. I apologize for my partner, professor. Y a pas de quoi. C'est pas grave. Je n'en veux pas. Et moi, je vais aller apprendre, je vais aller chanter avec. Et j'ai eu du soutien. Ah non, c'est entre elles.
Entre Shamir et Catherine. Oh, c'est trop mignon. Let's go, on va aller check le dialogue. Mais d'abord, on le checkera après dans le menu. Je vais aller chanter. Je vais aller chanter avec, avec whoever wants to chant. Hein. Bah Manuela et Hilda. Comme ça, je gagne un peu de foi. J'aurais peut-être une étoile. Hein. Sing from your diaphragm. Low. Get it? Low. Singing's okay, but I should really have a cute dance to go along with it. Pourquoi est-ce que ma foi ne monte jamais? Mettons fin au temps libre. Donc, semaine de tutorat.